fausse en ligne, les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 178. Rêve de Renarde. Mon ami Bi-Yan est un homme hors du commun, tant par ses libres manières que par le plaisir qu'il y prend. Une barbe abondante orne un visage plein, qu'il doit à son embonpoint. Il a connu la notoriété dans les milieux lettrés. Il s'était rendu pour quelque affaire à la résidence secondaire de son oncle, le plus jeune, celui qui était préfet, et se reposait à l'étage, réputé infesté jadis de renards. Chaque fois qu'il relisait l'histoire de Fénichette, il rêvait de ces charmantes créatures qu'il se désolait de n'avoir jamais rencontrées. Ainsi avait-il à l'étage l'esprit tourné vers celle-ci, et toutes ses pensées se cristallisaient autour d'elle. Un moment plus tard, il retournait à son cabinet d'études. Le crépuscule commençait à voiler l'éclat du jour. Comme il faisait une température caniculaire, il s'était couché près de la porte. Plongé dans le sommeil, il se sentit comme secoué par quelqu'un qui le réveillait. Il ouvre les yeux. C'était une femme d'un certain âge, la quarantaine, élégante et d'une grande distinction. Surpris, il se lève, lui demande à qui il a l'honneur et ce qu'elle lui veut. Elle lui répond en souriant « Je suis une renarde, très touchée des pensées dont vous nous gratifiez. » Enchanté de l'apprendre, Bi engage la conversation en l'aguichant par quelques mots plaisants qui la font rire. Mais elle réplique « J'ai passé l'âge, et même s'il en est qui ne sont pas pour autant découragés, j'ai trop de vergogne pour ne pas l'être la première. Mais j'ai une fille encore jeune, tout juste à l'âge de porter l'épingle de tête. Elle pourrait vous tenir le peigne et le bonnet. Nous repasserons vous voir demain soir, si vous n'attendez personne d'autre, bien entendu. » Sur cette assurance, elle s'en fut. La nuit suivante, il allume de l'encens, s'assoit et attend. Elle revient, effectivement, amenant une jeune fille aux manières gracieuses et distinguées, d'une beauté sans égale. Elle recommande à celle-ci, avant de se retirer, « Puisque ce jeune homme t'est destiné, ma fille, il te faut demeurer ici. Rentre demain matin de bonne heure, sans traîner au lit. » Il lui prit la main et la guida sous les rideaux, où ils parvinrent à la perfection de la plus complète intimité. Leur union consommée, elle lui dit en riant « Quel poids tu fais, mon gros bêta? C'était à peine supportable. » Elle partit avant l'aube et revint seule la nuit tombée. Elle lui annonce « Mes sœurs voudraient me faire le plaisir de féliciter le nouveau marié. Allons-y ensemble demain, si tu veux bien. » « Où est-ce ? » « Pas loin. C'est ma grande sœur qui invite. » Il attendait et, commençant à se sentir fatigué, venait à peine de s'assoupir sur la table quand elle entra. « Excuse-moi de t'avoir fait attendre si longtemps. » Ils partirent main dans la main et arrivèrent en un instant devant une vaste cour. Ils montèrent aussitôt à la salle centrale, illuminée de lampes et chandelles qui brillaient et scintillaient comme autant d'étoiles. Peu après, apparut la maîtresse du lieu, une beauté d'une vingtaine d'années, sobrement habillée. Après leur avoir tiré la révérence et les avoir félicités, elle allait les prier de prendre place quand une servante annonça « La deuxième dame !» Une jeune femme de 18 à 19 ans entre et se tourne en souriant vers la mariée. « Ma petite sœur s'est enfin laissée déchirer son melon mignon. Ha ha ! Est-ce que le nouveau marié s'en est tiré comme elle l'aurait souhaité ?» La petite lui frappe le dos de son éventail en lui jetant un regard noir. La cadette ne resta pas là. « Je me souviens que lorsque nous nous amusions à nous culbuter, « toute petite, tu redoutais par-dessus tout que je te compte les côtes. Tu m'avais menacé de loin, le doigt tendu, tandis que je pouffais de rire. Ça t'avait mise dans une telle colère
que tu m'avais prédit que j'épouserais plus tard le petit prince du royaume des nains. J'avais rétorqué que toi, tu te marierais avec un barbu qui te piquerait tes méchantes petites lèvres. C'est en effet ce qui t'arrive aujourd'hui. » L'aîné éclate de rire. « Pas étonnant que notre petite troisième ait été si furieuse. En présence du marié, tu pousses un peu loin la taquinerie. » Un moment plus tard, les pichets servis, on presse chacun de s'asseoir et le banquet se poursuit joyeusement, ponctué d'éclats de rire. Tout à coup, paraît une fillette de 11 à 12 ans, un chat dans les bras. Encore une enfant, tel oisillon au duvet à peine sec. Mais déjà, émanait d'elle un charme sensuel pénétrant. Notre petite Benjamine voudrait aussi rencontrer le mari de sa grande sœur, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de siège pour toi ici, lui dit l'aînée, en la prenant sur ses genoux et en lui fourrant dans la bouche fruits et gâteaux. Après un temps, elle la cale dans le giron de la cadette en grommelant. Elle m'écrase les cuisses, qui sont tout ankylosées. Elle est trop grande et trop lourde. On dirait qu'elle pèse une tonne, proteste la cadette. Je suis bien trop fragile pour supporter ce poids. Puisqu'elle veut voir son costaud de beau-frère, sûr que ses fortes cuisses l'accueilleront volontiers. Elle la saisit et la posa sur les genoux de Bi. La tendre et odorante petite fille lui semblait légère. La tenant dans ses bras, il lui fait goûter à son breuvage. L'aînée la met en garde. N'en bois pas trop, petite. Si tu t'enivres, tu paraîtras ridicule et ton beau-frère se moquera de toi. La fillette s'esclaffait à tout propos et taquinait le chat qui poussa un miaulement. Ne vas-tu pas bientôt le lâcher? Gronda la sœur aînée. C'est pour attraper ses puces que tu le serres si fort? Et si on s'encourageait à boire en jouant avec le minou? Proposa la cadette. On se passe une baguette à tour de rôle, et qui la tient au moment où le chat miaule sera condamné à vider sa coupe. Ainsi fut fait. Chaque fois que la baguette arrivait à Bi, miaulement du chat, si bien qu'il n'arrêtait plus de boire. Mais c'était un bon buveur. On finit par se rendre compte que la petite pinçait chaque fois le chat, ce qui déclencha un fou rire général. Ça suffit, petite. Qu'elle aille se coucher. Elle a une façon malicieuse d'écraser son beau-frère, qui ne fera pas plaisir à la troisième. La fillette repartit avec son chat. À voir comment Bi tenait la boisson, l'aîné ôta son faux chignon, le remplit de vin et le lui offrit. Le chignon ne semblait pouvoir contenir plus d'une pinte. Pourtant, Bi avait l'impression d'en avoir déjà bu des dizaines de litres. Quand il l'eut finalement asséché, le chignon avait l'apparence d'une capsule de lotus. La cadette voulut à son tour trinquer avec lui. Comme il s'excusait de n'en plus pouvoir, elle lui présenta une minuscule boîte à phare, pas plus grosse qu'une balle de fronde, et la lui remplit. « Pour la forme, puisque tu n'en peux plus. » Bi s'imaginait qu'il la viderait d'une brève aspersion, mais pas du tout. Son gorget ne venait toujours pas à bout de la petite boîte portée à ses lèvres. La mariée l'échangea pour une petite tasse en forme de lotus. « Ne te laisse pas avoir par cette traîtresse. » Elle posa sur la table la boîte, qui se transforma en un énorme anap. « En quoi ça te regarde ?» lui lança la cadette. « Il n'y a pas 3 jours qu'il est son mari, et la voilà qui le couve déjà, son petit chéri. » Bi porta la tasse à sa bouche et la vida. Elle devint molle et glissante entre ses mains. Il l'examina. Ce n'était plus une tasse, mais une chose recourbée en soie, doublée et finement ouvragée. La cadette la lui arrache des mains en maugréant. « C'est malin, la petite garce. Quand as-tu donc volé mon chausson? Pas étonnant que j'avais le pied gelé. » Elle se lève pour changer de chaussure. La réunion touchant à sa fin, la jeune femme quitte sa place, prend congé et raccompagne Bi au-delà du village, puis le laisse rentrer seul. L'instant d'après, il se réveillait. Ce n'avait été qu'un rêve. Pourtant, il se sentait encore la bouche et le nez imprégnés d'un lourd relent d'alcool. Incroyable. Elle revint au crépuscule lui dire
N'étais-tu pas mort d'ivresse hier soir ? J'étais en train de me demander si ce n'avait pas été un rêve. De crainte du chahut intempestif, mes sœurs l'ont fait passer pour un rêve, mais en réalité, la soirée n'en était pas un. Quand elle faisait une partie d'échecs avec Bi, celui-ci perdait toujours. Elle le taquinait en riant. Je te croyais plus fort que ça, toi qui en joues quotidiennement. Tout bien pesé, tu n'es que moyen, sans plus. Comme il sollicitait ses directives et enseignements, elle lui répondit. L'art des échecs dépend de l'intelligence qu'un chacun en a. Comment pourrais-je améliorer la tienne? Tu devrais pourtant t'améliorer par contamination, du seul fait de ma fréquentation du matin au soir. Au bout de quelques mois, il eut le sentiment d'avoir fait des progrès. Elle le testa et s'esclaffa. Ce n'est pas encore ça, pas encore. Pourtant, quand Bi s'y essayait avec ses partenaires habituels, il trouvait qu'il avait fait des progrès extraordinaires. Franc et direct comme il l'était, Bi n'était pas cachotier. Il leur laissa entendre qu'il était à l'origine du changement. Elle le sut aussitôt et le lui reprocha. Je comprends maintenant pourquoi mes compagnes sur la même voie que moi évitent de fréquenter ces folles et fantasques lettrées. Je te l'avais pourtant maintes fois demandé, de garder le secret absolu avec la plus grande vigilance. C'est ainsi que l'on suit mes recommandations ? Elle voulut le quitter sur le champ et ne se radoucit que lorsque Bi se confondit en excuses pour sa faute impardonnable. Mais elle espaça dès lors ses visites. Venue un soir, une année plus tard, elle s'assit muette en face de lui. Il proposa une partie d'échecs. Elle refusa. Il se disposait à se coucher avec elle. Elle ne bougea pas. Elle n'ouvrit la bouche qu'après un pesant silence. « Comparé à Fénichette, comment me trouves-tu »« Je pense que tu lui serais supérieur. » »« Je suis confuse de ne pas l'égaler. Mais puisque tu entretiens des relations littéraires avec l'auteur des Chroniques de l'étrange, ne pourrais-tu le prier de se donner la peine de rédiger une modeste biographie ? Qui sait, peut-être te laissera-t-elle dans 1000 ans la réputation d'avoir connu un amour sans pareil. Il y a longtemps que j'y avais pensé, mais je n'osais enfreindre ta volonté de tenir notre amour secret. Moi et ma sœur, la quatrième, sommes appelés à servir la mère reine de l'Ouest, dans la délégation d'oiseaux en fleurs. Nous ne pourrons plus revenir. Jadis, l'une de nos sœurs a eu une liaison avec l'un de tes oncles. Elle lui a laissé 2 filles qui ne sont pas encore mariées depuis leur séparation. Heureusement que je ne suis pas dans ce cas. Comme Bi sollicitait un dernier message d'adieu, elle lui dit « Du calme commente la colère, et l'on aura moins de fautes à regretter. » Elle se leva, lui serra les mains et lui demanda de l'accompagner. Ils parcoururent un lit avant de se séparer. Elle lui murmura en larmes Peut-être nous reverrons-nous si nous le voulons très fort. » Elle s'en fut sur ces dernières paroles. Le 19 du dernier mois de l'an 21 de l'ère Kangxi, Bi Yan m'a raconté cette étrange aventure dans tous ses détails, alors que nous étions étendus côte à côte dans la salle de largesse. Pareille renarde ne pourrait que rehausser l'éclat de mon pinceau, lui ai-je dit en prenant la résolution d'en rédiger le récit.